Effectivement, je viens du Cambodge. Le Cambodge, c'est une vieille église parce qu'on a 450 ans d'histoire. C'est en même temps une jeune église parce qu'avec Pol Pot, toute la vie de l'église s'est arrêtée d'une certaine manière. C'est-à-dire que prêtres, évêques, beaucoup de chrétiens ont été tués, mais que l'église a continué parce que l'église, elle est vivante dans les cœurs. Et en 1990, soit 15 ans après le début du régime de Pol Pot, des missionnaires ont pu revenir au Cambodge. L'Eucharistie a pu de nouveau être célébrée après 15 ans où il n'y a plus de messe. Et actuellement, on vit dans le fond une nouvelle évangélisation aussi. Et je pense que le thème de ce synode nous intéresse tout particulièrement au niveau de la première annonce. On vit dans une terre où, évidemment, il y a quelques chrétiens d'avant Pol Pot, mais aujourd'hui, il y a une jeune église qui est en train d'émerger avec des conversions, avec 200 baptêmes par an d'adultes, ce qui est beaucoup pour nous, quand on sait qu'il y a à peine 20 000 catholiques au Cambodge. Et cette première annonce, je pense, est aussi intéressante à partager comme expérience avec les évêques venus du monde entier, avec les évêques d'Occident aussi, pour voir comment est-ce que les uns les autres, on essaye d'annoncer l'Évangile. C'est intéressant de voir, évidemment, on a eu beaucoup de témoignages de l'Église du Moyen-Orient jusqu'à maintenant, des églises des États-Unis, des églises d'Europe. Je pense que c'est intéressant de voir les questions qui se posent, mais de voir que dans le fond, nous, on a aussi nos questions. Mais l'essentiel se retrouve dans l'annonce du Christ et pouvoir être témoin de cet amour de Dieu, pouvoir être témoin d'une église qui aime, qui pardonne, d'une église qui accueille, d'une église simple, d'une église ouverte sur le monde. Et je pense que toutes ces interventions nous enrichissent. Je suis très ému d'être ici. Effectivement, je suis le Benjamin de l'Assemblée et en âge et peut-être en année d'ordination aussi, de pouvoir se retrouver avec le Saint-Père qui participe, pour ainsi dire, à toutes nos rencontres. C'est véritablement un moment très fort, très intense de communion entre évêques, de collégialité. C'est ce qui avait été retrouvé au Concile Vatican II. Lors de cette superbe célébration d'ouverture de l'Allée de la Foi, ça a été un moment intense de communion spirituelle. J'étais aussi heureux parce que devant moi, il y avait mon prédécesseur, évêque de Phnom Penh, qui avait été père du synode, père du concile pendant les trois dernières sessions, et ça faisait 50 ans. Et je pense que c'est cette joie de pouvoir voir que l'Église continue à vivre et qu'on vit cette collégialité en tant que successeur des apôtres. Et ici, sur la place Saint-Pierre, dans la salle du synode, dans nos rencontres aussi interpersonnelles, c'est un moment très fort pour un jeune évêque et qui donne aussi la force et puis ce désir de continuer d'annoncer l'Évangile à la suite des apôtres. Ah oui, il y a plein d'espérance, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et bien ça doit être, c'est plein d'espérance. Et je pense que les uns et les autres, malgré des souffrances, parce qu'il y a des souffrances qui sont exprimées, il y a tout de même toujours cette espérance, avec cette certitude que l'Esprit souffle, que la charité du Christ nous pousse à continuer à témoigner l'Évangile. Et comme disait Saint Vincent de Paul, dans le fond, la charité est inventive à l'infini. Et je pense que c'est ça qui va nous aider à continuer à annoncer cette bonne nouvelle que le Christ nous a confiée.